à toutes, à tous, aidants naturels, des amis, des aidants naturels. Oui, des gens d'un peu partout dans la région. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ici ce matin. Il y aura au cours de cette rencontre, premièrement le déjeuner, où est-ce qu'on pourra se permettre de se parler entre nous autres, d'échanger. Ensuite, il y aura une projection d'un CD qui a été réalisé par le réseau des aidants naturels de Montréal, une pièce qui s'appelle « Les échos des chuchotements de l'âme ». Donc, et en dernière partie, il y aura Mme Michèle Lafortune, qui est chef d'administration du programme des soins à domicile du CLSC de Beautré, qui viendra nous parler des services qu'ils offrent et aussi de l'accès à ces services-là, ce qui est extrêmement important pour les aidants et les aidantes naturelles. J'aimerais vous partager, hier ou avant-hier, on a reçu au réseau des aidants naturels de Dautré un communiqué du réseau des aidants naturels du Québec. Donc, je vais vous lire quelques passages de ça, c'est pas tellement long. On dit que les proches aidants et aidantes naturels forment la structure importante du réseau de la santé, car ils assument plus de 80 % du soutien à domicile dont les personnes malades ont besoin pour contribuer à vivre chez elles. Donc, des organismes communautaires comme le nôtre, le réseau des aidants naturels de Dautré, se sont mis sur pied depuis une vingtaine d'années au Québec et contribuent à ce que les aidants naturels se reconnaissent comme tels, ce qui est souvent un problème parce que les aidants naturels, souvent, sont des gens, bien sûr, sont des gens comme tout le monde, qui un jour débarquent chez eux la maladie d'un proche, d'un parent, d'enfant ou de soeur ou de frère, et qui s'improvisent quelque part aidant naturel. Donc, ils se donnent la permission de prendre soin eux aussi d'eux-mêmes, en remettant leur vie en mouvement. Selon Mme Jeanne Audette, vice-présidente du Réseau des aidants naturels du Québec, qui nous dit « Avant que les aidants et les aidants ne s'épuisent, ne s'isolent et ne s'appauvrissent encore davantage, vivement une politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien pour tous les proches aidants du Québec. Les proches aidants ne veulent pas être remplacés, ils veulent être soutenus. » Alors, notre rencontre aujourd'hui se situe dans ce cadre-là de la semaine des aidants naturels. Et bien sûr que les aidants naturels et les aidantes naturelles ont besoin d'être soutenus par le système, que ce soit par les services du CLSC ou que ce soit par des organismes comme le nôtre qui leur offre des cafés-rencontres, qui essaient de leur obtenir du répit. J'aimerais pour terminer vous souligner, j'imagine que la plupart d'entre vous a entendu à la télévision dimanche Mme la ministre Blais qui a annoncé la création de 5 nouveaux carrefours de soutien aux aidants naturels. Alors, carrefour de soutien aux aidants naturels de Lanaudière vient d'être mis en place. Nous, ça fait déjà un an qu'on travaille à la mise en place du carrefour de Lanaudière. Donc, c'est une nouvelle vague de 5 carrefours qui est mise en place à la grandeur du Québec. Donc, il restera quelques régions du Québec encore à venir dans une autre annonce probablement l'an prochain pour terminer les 17 ou 18 carrefours aux aidants naturels qui correspondent aux régions administratives du Québec. Donc, Mme Blais a annoncé un budget de 14 millions pour 2012, ce qui devrait nous donner un peu d'air à respirer en tant qu'aidant naturel et aidant naturel. Et les organismes de la région qui sont sur le conseil d'administration, qui sont représentés au conseil d'administration du Carrefour, vont avoir comme priorité, bien sûr, de s'assurer que ces argents-là qui sont descendus pour les aidants naturels se rendent aux aidants naturels.
Alors, je vous invite à vivre cette rencontre-là de détente ce matin, de reconnaissance aussi aux aidantes naturelles qui sont ici, et de ressourcement aussi, puisque Mme Lafortune viendra nous dire un mot, je pense que c'est prévu pour 11 heures. Alors, je vous souhaite un bon matin et je vous souhaite bon appétit. Certaines de ces personnes ont commencé à se questionner. Elles constataient que malgré les efforts du gouvernement, cela ne semblait pas suffisant. On n'arrivait pas à sensibiliser comme on le souhaitait. Il fallait donc trouver une façon de toucher les cœurs pour arriver à sensibiliser réellement. C'est ainsi qu'au printemps 2005, un comité de 7 personnes aidantes s'est formé. À l'automne 2006, d'autres proches aidants ont été recrutés pour participer à un processus de création via des ateliers d'art visuel. Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être ici ce matin pour vous parler des services de soutien à domicile. Écoutez, après ce qu'on vient de voir, j'ai trouvé ça excessivement touchant et en quelque part excessivement réaliste. De ce que j'ai vu de mes nombreuses années en CLSC, d'abord j'ai été infirmière en CLSC, en soutien à domicile pendant plusieurs années dans le territoire du CLSC de Joliette. Et puis ensuite, j'occupe des fonctions de gestion, mais je peux vous dire que je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai été très longtemps dans le domicile des gens. Écoutez, moi, ce que je m'en viens vous dire ici ce matin, c'est que je reconnais la contribution des aidants naturels qui est exceptionnel, puis que nous, les services de santé, services sociaux, nous ne sommes qu'une parcelle dans tout ce que vous faites. Mais
J'aurais envie de vous dire ici ce matin que nous sommes là pour vous aider, même si ce que j'entends, c'est dans le vidéo et tout ça, c'est que les services sont jamais assez, sont pas suffisants, sont pas à la hauteur de vos attentes. Mais je veux que vous sachiez qu'il y en a des services et c'est de ça que je veux vous parler ici ce matin. Alors, moi, je m'occupe du territoire Autré. Alors, tout ici, bon, évidemment, Saint-Norbert, Saint-Gabriel, Berthier, comme monsieur l'a dit tantôt. Pardon. Et les services de soutien à domicile, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend d'abord l'aide à domicile, parce que je vous parle de l'aide à domicile parce que c'est le plus grand besoin que vous avez. Une infirmière peut passer pour aller faire un soin, mais ce que vous avez le plus de besoin quand vous vous occupez d'une personne malade à domicile, c'est de l'aide. Et de l'aide, c'est comment que ça se passe? C'est de l'aide aux soins d'hygiène, c'est de l'aide pour de la préparation de repas, c'est de l'aide pour de l'entretien ménager, c'est du répit à domicile, c'est de l'accompagnement. Et puis, c'est, je dirais, peut-être cette portion-là que les gens trouvent que c'est pas suffisant. Je veux vous dire que on est actuellement le soutien à domicile sous la mire du ministère. Le ministère qui, je pense, commence à comprendre la pression qui est là pour que les gens font, que vous faites, qui doit être faite pour dire ce n'est pas suffisant ce qui se passe en soutien à domicile, il faut augmenter les services. Alors, je suis porteuse de ce message-là et je veux vous dire que on est actuellement en accompagnement avec le ministère et on est en train de démontrer que ce qu'on fait à domicile, on a beau bien vouloir le faire et bien le faire, je crois, mais ça reste que ça va être c'est insuffisant. Alors, on souhaite que l'aide se développe davantage. Et je pense que le ministère aussi est ouvert à ce qu'on présente des projets. Des projets, s'il y a des choses dans la région qui n'existent pas puis que c'est un besoin des gens, bien, je pense qu'on a l'ouverture à être capable de développer ça pour avoir une autre forme de répit qui répondrait à vos besoins. Donc, écoutez, je dirais que c'est actuellement en développement. Quand on regarde il y a 5 ans, il y en avait beaucoup moins. Fait que c'est encourageant de dire peut-être que vous trouvez qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que la tendance est vers le développement de ce type de ressources-là. Et ce que ça me dit, moi, quand je vois le développement, puis quand je vois des budgets qui arrivent peut-être à la miette, mais au moins qui arrivent pour ça, c'est qu'en quelque part, vous êtes entendu, les aidants naturels qui avaient fait des pressions, et ça, c'est important. Et sachez que nous sommes, je suis porteuse de ce message-là parce que moi, je crois essentiel qu'on s'occupe de vous. Si on ne s'occupe pas de vous, pour moi, le soutien à domicile n'est absolument pas possible, quoi que l'on fasse. Alors, c'est un peu ce que je veux vous dire ce matin. Je veux parler en votre nom quand je suis là pour défendre les services, parce que je sais les besoins, comment ils sont importants et comment je suis sensible à ça. Alors, c'est ce que je veux vous dire ce matin.